judiciaire médiatique, l'affaire Bettencourt, et maître Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, a estimé, je cite, que la vérité finissait toujours par triompher. Il commentait les réquisitions aujourd'hui du parquet dans ce dossier. Le procureur de Bordeaux qui a réclamé un non-lieu à l'égard de l'ancien chef de l'État. Il appartient désormais au juge d'instruction de le suivre ou pas. Explication Franck Genozo. Qui a profité de l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt? Selon le parquet, ni Nicolas Sarkozy, ni Éric Woerth. Non-lieu requis pour l'ancien président de la République, ainsi que pour son ex-ministre du budget. Il n'y a en l'état pas assez d'éléments dans le dossier pour les traduire en justice, estime le procureur. Il recommande en revanche un procès pour 6 autres personnes, dont François-Marie Bagnier, le confident de la milliardaire, et Patrice Demestre, son homme de confiance. Ils sont tous deux soupçonnés d'avoir manipulé Liliane Bettencourt pour lui soutirer de l'argent. La décision revient désormais aux magistrats qui ont instruit l'affaire menée principalement par le juge Gentil. Ils n'ont aucune obligation de suivre l'avis du parquet et doivent se prononcer au plus tard dans un mois.